article sur la privatisation ou le combat contre la privatisation de la gestion des barrages hydroélectriques. Alors, j'y viens de la gestion parce que parfois on fait un petit peu la confusion. Et c'est d'ailleurs ce que dit toujours le gouvernement, ce que dit toujours la Commission européenne. Ils disent maintenant il n'y a pas de sujet privatisation en fait, puisque les barrages restent la propriété de l'État, ce qui est vrai. Alors que dans certains pays d'Europe, certains groupes privés ont acheté la propriété du barrage et donc peuvent en faire ce qu'ils veulent. En France, ce n'est pas le cas, c'est un régime de concession qui existe depuis une loi de 1919 qui a été renforcée par. Après la guerre, par la nationalisation des entreprises électriques, qui a donné naissance à EDF. Alors, il faut savoir que, effectivement, on fait souvent le lien, l'amalgame entre EDF et les barrages, qui est tout à fait pertinent. Mais EDF n'est pas le seul acteur dans ce secteur, même si on a deux représentants d'EDF. Il y a un autre grand groupe qui est privé, enfin, qui est partiellement public encore, qui est Engie, hein, qui est issu de la fusion de Gaz de France et de Suez, et qui d'ailleurs en voie de privatisation, puisque l'État est encore actionnaire, je crois, à hauteur de 25%, et va prochainement céder ses actions. Et donc Engie possède en gros, en termes de barrage, disons EDF exploite 83% de la puissance produite par les barrages hydroélectriques, et le reste, en gros, est détenu par Engie à travers deux filiales, qui sont la Compagnie Nationale du Rhône, donc, qui exploite tous les barrages hydroélectriques sur le Rhône, et l'HM, c'est la Société Hydroélectrique d'Exploitation du Midi, je crois que c'est ça en gros, donc c'est plutôt du côté du sud-ouest, dans les Pyrénées. Donc longtemps, il n'y a pas eu de débat, et puis c'est vrai que depuis quelques années, et c'est encore plus récurrent depuis une dizaine d'années, effectivement, on parle beaucoup des barrages, on parle beaucoup de l'Europe. Et très souvent, on dit, bah, c'est la faute à l'Europe, c'est l'Europe qui veut imposer cette privatisation. Mais en réalité, en m'intéressant à ce sujet, je me suis rendu compte que ce n'était pas vraiment le cas, ce n'est pas la faute à l'Europe, c'est même pas la faute à la Commission européenne, même si on sait que la Commission européenne, évidemment, est pro-privatisation, veut tout privatiser globalement, mais c'est pas tout à fait le cas sans vouloir défendre la Commission européenne. Et pour ça, je reprendrai les propos d'une ancienne ministre de l'écologie, Delphine Batho, qui était ministre socialiste sous le gouvernement de Jean-Marc Ayrault et donc sous la présidence de François Hollande, qui a souvent dit si les gouvernements français successifs, qu'ils soient socialistes ou de droite, l'avaient voulu, la Commission européenne n'aurait pas eu son mot à dire. Mais ce sont bien des gouvernements socialistes, depuis le début des années 90 jusqu'à aujourd'hui, qui ont changé la législation de façon à ce que la privatisation de la gestion de ces barrages soit rendue possible, c'est-à-dire qu'il y ait des appels d'offres. Donc ce n'est pas la faute à la Commission européenne. Et donc aujourd'hui, la problématique, c'est ce que dit la Commission européenne, c'est que la Commission européenne demande à la France de se plier à la réglementation européenne, certes, mais conformément à sa propre législation. Voilà, donc il y a eu une série de mises en demeure, une mise en demeure en 2015 et une autre plus récente au mois de mars, donc la Commission européenne, la direction de la concurrence de la Commission européenne, demandant à la France de mettre en concurrence ces barrages hydroélectriques, de faire des appels d'offres. En fait, ce qui se passe, c'est que depuis maintenant 10-15 ans, il y a un certain nombre de concessions hydroélectriques qui sont arrivées à échéance, qui auraient dû être mises en concurrence et qui n'ont pas été. Et donc c'est pour ça que la Commission européenne insiste auprès du gouvernement français. Et ce qui se passe, c'est que même si les différents gouvernements français ont adapté la législation, en même temps, face à la pression des syndicats, des élus locaux, les gouvernements n'ont pas, si vous voulez, ont laissé filer un petit peu les choses et n'ont pas mis en œuvre leur propre législation. Ça peut paraître un petit peu contradictoire, mais voilà, ça tient compte du fait du rapport de force, et surtout encore plus aujourd'hui, c'est depuis un an ou deux, il y a une forte pression des syndicats. Alors, aujourd'hui, il y a la SUD, la CGT, mais ce n'est pas si fréquent. Il y a une vraie unité syndicale dans cette entreprise, c'est-à-dire que tous les syndicats, y compris les syndicats dits réformistes, la CGC, Force ouvrière, la CFDT, qui sont à peu près sur la même ligne. Je dis bien à peu près, peut-être que... Donc ils sont unis, et ça, le gouvernement est obligé d'en tenir compte, d'autant que beaucoup d'élus locaux sont relayés sur cette même ligne, y compris des élus de droite, y compris même des libéraux
qui ne défendent pas la privatisation et même qui s'y opposent. Donc, la Commission européenne, effectivement, demande cette mise en œuvre de la réglementation, mais en même temps, elle a quand même une sorte d'agenda caché, si vous voulez. En réalité, la Commission européenne, ce qu'elle a en tête, ce qui la chiffonne, ce qu'elle n'aime pas, c'est le statut d'EDF. Ce qu'elle ne supporte pas, c'est ce qu'elle appelle le monopole EDF. Ce qu'elle dit, c'est que l'EDF serait en position dominante et abuserait de sa position dominante. Et là, on tombe évidemment sur ce credo libéral, il faut effectivement ouvrir la concurrence. Et donc elle dit, il faut ouvrir la concurrence pour donner leur chance à d'autres acteurs, et ce qui fera baisser les prix, ce qui aura des effets vertueux. Bon, outre que la baisse des prix dans le secteur de l'énergie n'est pas avérée, c'est plutôt l'inverse, puisque depuis qu'il y a une libéralisation des prix de l'énergie, les prix de l'électricité ont plutôt augmenté. Cette notion d'abus de position dominante, elle ne tient pas la route, dans la mesure où à peu près tous les mois, alors j'ai pas les derniers chiffres, EDF perd des clients. Avec, oui, c'est 100 000 clients par mois, je ne sais pas si ça a augmenté ou si ça a diminué, mais c'est le chiffre officiel. Et donc 100 000 clients par mois, au bout d'un moment, ça va faire beaucoup. Donc pour un opérateur qui est censé être dominant, on se dit que cette domination n'est pas aussi insolente qu'elle l'a été autrefois. Et puis il y a des pans entiers de l'énergie qui sont mis en concurrence, et évidemment le photovoltaïque, l'éolien, mais pas le nucléaire, on en reparlera tout à l'heure, hein, qui reste dans le domaine du régalien. Et donc il y a une forte poussée pour que ce soit effectivement privatisé. Et la Commission européenne emploie toujours des arguments strictement économiques. Elle laisse toujours de côté une autre dimension, c'est que toutes les questions autour de l'eau ne relèvent pas seulement des questions énergétiques ou des questions économiques. Là, on vous a distribué, juste avant de commencer notre intervention, un document du comité des usagers du bassin de taux du cycle de l'eau, hein, sur les questions qu'on peut se poser sur l'eau. Et je vois, page 5, oui, une proposition pour la création d'un service national de l'eau et des barrages hydroélectriques en développant les agences de l'eau. Vous voyez, donc on est bien en phase avec ça. Pourquoi ? Parce que derrière l'eau, il y a d'autres usages que l'usage de l'énergie. Bon, les barrages servent à produire de l'électricité, mais ils sont aussi utilisés pour l'irrigation, ils sont aussi utilisés pour le tourisme, c'est le tourisme de lac, et tout ceci a un fort impact économique et sociétal. Il y a une forte demande citoyenne, et c'est ce qui explique aussi que les élus locaux soient globalement défendent le statu quo, considérant que EDF, même Engie font plutôt bien leur travail. Donc il n'y a pas de raison de changer. Alors ce que disent les libéraux, ce que disent les lobbies comme l'Association française des producteurs d'électricité qui défend la FIEG, qui défend les intérêts des groupes privés, ils disent mais si demain il y a une mise en concurrence, bien évidemment le multi-usage de l'eau sera respecté, il y aura des cahiers des charges qui le prévoiront, tout ça est prévu. Sauf que un cahier des charges ne peut jamais prévoir tous les détails, toutes les problématiques, surtout dans un contexte de réchauffement climatique. Si on accorde une concession pendant 40 ans à un acteur privé, si on l'accorde aujourd'hui, on ne sait pas comment va évoluer le climat, comment vont évoluer les niveaux d'eau. On sait très bien qu'il y a un problème de sécheresse qui est de plus en plus important. Donc, et on peut pas prévoir tous les détails. Or, ce que fait aujourd'hui EDF, c'est que EDF aussi est astreint à un cahier des charges, mais globalement, c'est un service public avec des services intégrés. On va dire, pour faire simple, EDF fait un certain nombre de cadeaux. C'est-à-dire que des élus ou un office de tourisme vont voir EDF, leur disent « bon, ça serait bien de maintenir des cotes d'eau plus élevées, parce que là, il y a un peu de sécheresse, on en a besoin pour le tourisme de lac, pour le canoë, pour les activités, est-ce que vous pourriez faire ça ?» EDF le fait sans trop chipoter, alors que ça lui coûte un petit peu d'argent. Mais EDF peut le faire parce que c'est une entreprise qui maîtrise l'essentiel de la production hydroélectrique sur l'ensemble du territoire, donc elle peut mutualiser ses coûts. Mais si demain, le marché est complètement éclaté entre une multiplicité d'acteurs, des acteurs privés, dont le but premier est faire du profit, ils n'ont pas de raison de faire de cadeaux. Donc ça risque d'être
La réponse risque d'être, bon d'accord, on va effectivement faire un effort, mais en contrepartie, il faut que vous nous payiez, je ne sais pas, 500 000, 1 million d'euros, je ne sais pas, des chiffres comme ça, et ce qui posera évidemment problème à des collectivités locales. Il y a évidemment aussi la question de l'irrigation, c'est lié. Qu'est-ce qui se passe s'il y a une grande sécheresse et que comment cette question va être gérée? Qui va payer? Je vais prendre un exemple dans la vallée du Lot. Le Lot, c'est une rivière qui a tendance à plutôt être en assec, c'est-à-dire qui a un niveau d'eau qui est plutôt faible et qui longtemps a été en situation de sécheresse. Il y a eu une convention qui a été passée entre les différents départements irrigués par la vallée du Lot et EDF. Donc ces départements ont payé une soulte, une somme pour solde de compte, et en contrepartie, EDF s'engage à maintenir toujours un niveau minimum pour l'irrigation, ce qui fait qu'aujourd'hui, le Lot n'est plus en situation de sécheresse, et il y a même maintenant de nouveau des activités économiques autour du tourisme, alors que ça avait complètement disparu entre les années 60 et le début des années 90. Donc ça, on aurait plus ces problématiques s'il y avait une ouverture à la concurrence. Donc il y a cette problématique. Et puis il y a une problématique aussi dont ne tient absolument pas compte la Commission européenne, qui est la problématique de la sécurité. C'est-à-dire que si demain tout est privatisé, si le marché est disséminé entre plusieurs acteurs, est-ce qu'il y aura le même niveau de sécurité? Alors là, à nouveau, les lobbies, les associations de producteurs, d'entreprises disent « Mais bien sûr, il y aura les cahiers des charges, on ne peut pas faire n'importe quoi. » Sauf que on a quand même quelques expériences du passé qui nous incitent à une certaine prudence. Et y compris même du côté d'EDF, puisque entre le milieu des années 90 et le milieu des années 2005, EDF avait fortement réduit le budget alloué à la sécurité. C'était dans la foulée de la directive de libéralisation du marché de l'énergie. Donc EDF commençait à se comporter un peu comme une entreprise privée. C'est un phénomène qu'on retrouve dans beaucoup d'entreprises publiques. Avant la privatisation, les agences se comportent déjà comme s'ils étaient en mode entreprise privée. Résultat, le budget alloué à la sécurité a diminué drastiquement. Et il y a eu un accident en 2006. Donc c'est à Tuilière, donc sur la Dordogne, dans la vallée de Dordogne. Par chance, c'était un jour, je crois que c'était en janvier, une nuit de janvier. Bon, il n'y avait pas de promeneur, il n'y avait pas de foule, il n'y avait pas de baigneur, donc il n'y a pas eu de victime, pas eu de mort, tant mieux. Mais les gens d'EDF ont dit, là, on a quand même un problème. Donc derrière, il y a eu un plan qui s'appelle Super Hydro, qui visait à faire à nouveau un effort en termes de sécurité. Et là, ça a été un électrochoc. Mais si demain, une quinzaine d'acteurs se répartissent toutes ces vallées, évidemment, on est en situation de concurrence sans forcément s'entendre. Est-ce qu'on ne risque pas d'avoir à nouveau ce type de problème? Et puis, il y a aussi la question de la sûreté nucléaire, hein, qui se pose dans un pays, évidemment, la France est un des pays qui produit le plus de nucléaire, qui l'exporte. On sait que EDF est une des principales entreprises productrices nucléaires, son savoir-faire est exporté dans le monde entier. Et justement, dans le report de Sud Énergie, il citait un exemple qui peut donner à réfléchir, qui peut nous mettre en garde contre cette tentation qui pourrait être celle de certains de dire bah, finalement, laissons la chance au privé, pourquoi pas, EDF a eu sa chance pendant des années. Il y a la problématique de la centrale nucléaire de Bugey. Donc ça c'est dans la région de Rhône-Alpes, où pendant des années, en fait, cette centrale était gérée et toujours gérée par EDF, et EDF, en même temps, avait la main sur tous les barrages hydroélectriques sur le Rhône. Sauf que depuis le début, depuis une quinzaine d'années, ces barrages, bon, pour faire simple, ils étaient gérés par la Compagnie nationale du Rhône, mais c'est EDF qui les exploitait. Mais quand la CNR a été privatisée, donc je vous le disais, c'est aujourd'hui une filiale d'Engie, eh bien la CNR a récupéré en propre, en direct, la gestion de ces barrages, et donc la question du refroidissement des réacteurs nucléaires s'est posée. Donc EDF a demandé à la CNR de continuer à faire un effort, enfin à refroidir les réacteurs nucléaires avec l'eau d'un barrage, c'est le barrage de Génicia. La CNR a dit d'accord, mais ça va coûter de l'argent, hein.
Voilà, donc au début, il y a eu un bras de fer, il y a eu des accords. Finalement, évidemment, pour des questions de sécurité, un accord a été trouvé. Mais quelques week-ends, effectivement, le refroidissement s'est pas fait tout de suite, donc il y a eu un risque. Et puis, donc aujourd'hui, EDF doit verser quand même des sommes assez importantes. Ça a un coût, et surtout si demain on a ce cas de figure, mais à l'échelle nationale, je ne sais pas combien EDF exploite de centrales nucléaires, mais si EDF a affaire à des investisseurs, à des entreprises norvégiennes, chinoises, et à chaque fois il y a la même problématique, ça risque de poser quand même un certain nombre de problèmes. Et puis il y a aussi la question du coût de l'électricité, c'est-à-dire que tant que le système est optimisé, il est géré au niveau des Nuvem Valley par EDF, on peut, c'est la garantie d'un prix maîtrisé. Mais demain, qu'est-ce qui se passera si le marché est éclaté? Et puis, est-ce que tous les acteurs vont jouer le jeu? Sans attendre dans les détails techniques, aujourd'hui, quand on produit de l'électricité, évidemment, il y a des moments dans la journée où ça rapporte plus d'argent. Hein. C'est des périodes de pointe. C'est le matin, quand les gens vont travailler, prennent leur douche, le soir, quand ils rentrent chez eux. Donc, ce qui est intéressant pour un producteur d'électricité, donc qui détient des barrages hydroélectriques, c'est de produire de l'eau à 16 heures de pointe et pas tellement entre les deux. Sauf que les barrages hydroélectriques ont une autre fonction, c'est une fonction en gros de régulation du système. C'est que en cas de blackout, s'il y a un problème dans une centrale nucléaire, s'il y a une coupure d'électricité globale, eh bien les barrages hydroélectriques sont utilisés pour redémarrer le système. Et aujourd'hui, ce système fonctionne d'autant mieux qu'il est géré par une seule entreprise intégrée, une entreprise publique dont la vocation est d'abord de servir le public avant le profit. Mais si demain il y a 15, 20, 25 acteurs, qu'est-ce qui va en être? Donc tous ces éléments mis bout à bout font que, et c'est assez rare pour être souligné, il y a aujourd'hui un certain consensus, même on peut dire gauche-droite, syndicale, pour dire il ne faut pas privatiser la gestion des barrages hydroélectriques. Et pourtant, ce gouvernement, ce président, sont bien décidés à les privatiser, même si ont été distillés auprès des médias un certain nombre d'infos, de rumeurs comme quoi les barrages finalement ne seraient plus privatisés, et tout ceci sur fond de réorganisation, de restructuration d'EDF. Vous en avez peut-être entendu parler, il y a un projet de restructuration de l'entreprise d'EDF qui s'appelle Hercule, qui vise à scinder en gros l'entreprise en deux, entre un EDF vert et un EDF bleu. Donc l'EDF bleu, ce serait le nucléaire et les barrages, apprend-on dans une certaine presse officielle, disons proche des milieux autorisés. Et l'autre EDF serait l'EDF vert, en gros ce serait la distribution, donc Enedis plus les énergies renouvelables, le photovoltaïque et l'éolien. Étant entendu que l'hydroélectricité est une énergie renouvelable. Donc on pourrait s'attendre à ce qu'elle soit de l'autre côté. Donc le gouvernement laisse entendre que les barrages pourraient rester dans le domaine public, sauf qu'en même temps le gouvernement dit qu'il va respecter la réglementation européenne, surtout quand on connaît le degré de connivence entre Emmanuel Macron et la commissaire européenne chargée de la concurrence, dont j'oublie le nom, Margrethe Vestager, voilà, qui était candidate pour la présidence, elle n'est pas devenue, enfin bon, elle est quand même vice-présidente, et puis son périmètre a été élargi, elle reste très puissante. Voilà, donc ça, je pense que Philippe vous en parlera. Récemment, la semaine dernière, la ministre de l'Énergie et des Transports, Elisabeth Borne, a dit devant le Sénat que la France allait trouver une solution, une négociation de compromis avec les commissions européennes pour pas aller vers la privatisation, mais elle n'a pas dit non plus qu'il n'y aurait pas d'appel d'offres. Donc évidemment, dans le contexte actuel, on voit bien que le gouvernement fait tout pour pas mettre de l'huile sur le feu. Hein. Il va y avoir à partir de la semaine prochaine un mouvement dans les transports contre la loi sur les retraites. Donc c'est certainement l'intérêt du gouvernement de temporiser dans un dossier où les gouvernements en place temporisent depuis longtemps, mais tout porte à croire qu'une fois que la loi sur les retraites sera adoptée, peut-être que le gouvernement reviendra et remettra sur l'établi effectivement son projet de privatisation partielle ou totale des barrages hydroélectriques. Pas pour donner des solutions, mais peut-être sur ce qui peut expliquer que le dossier soit un peu enlisé depuis des années. Moi, il me semble que ce qui fait à la fois, c'est peut-être la chance pour le service public de l'hydroélectricité, pour les salariés, et à la fois peut-être des avantages, c'est que il me semble que ce dossier n'a pas la masse critique suffisante pour s'imposer dans l'agenda politique et dans l'agenda médiatique. Il me semble que le dossier des barrages hydroélectriques a toujours été utilisé un peu comme une monnaie d'échange ou comme une variable d'ajustement.
Déjà, au moment du premier, à l'époque de Sarkozy, et quand Jean-Louis Borloo était ministre de l'écologie et François Fillon Premier ministre, il devait y avoir un appel d'offres, ça avait été annoncé, mais ça s'était fait sur fond de tractation avec la Commission européenne. Donc, en gros, la France avait obtenu de conserver le tarif réglementé de l'électricité, hein, qui fait que les prix sont quand même assez bas en France, puisque les prix d'électricité restent beaucoup plus bas par rapport à d'autres pays. Et puis, la contrepartie, en échange, c'était il faut ouvrir à la concurrence et pas gérer les barrages hydroélectriques. Bon, là-dessus, ni Fillon ni Sarkozy n'ont tenu leurs promesses, ce qui est plutôt bien. Hein. Parfois, on dit souvent les hommes politiques n'aiment pas leurs promesses. Bon, voilà. Parfois, ça peut être bien. Mais là, on voyait bien que c'était comme une monnaie d'échange. Là, on a encore vu la même chose l'année dernière quand Nicolas Hulot, donc 10 ans après, voulait accélérer cette ouverture à la concurrence. On sentait bien qu'Emmanuel Macron, pour Emmanuel Macron, c'était pas sa priorité. Sa priorité, Emmanuel Macron, c'est plutôt le nucléaire, sanctuariser le nucléaire. On sait très bien que le nucléaire aujourd'hui n'est plus rentable, qu'il y a une question de souveraineté. Donc là encore, on dit à la Commission, bon, c'est bon, on va ouvrir à la concurrence, vous inquiétez pas. Parce que les barrages, ça représente, ça a été dit, que 12% de l'électricité, le reste, c'est, pour l'essentiel, c'est le nucléaire. Donc Nicolas Hulot avait dans son projet d'échange avec la Commission européenne, donc ça n'a jamais été rendu public, mais il y a eu des fuites, il avait quand même annoncé que les lots seraient répartis, mais qu'une seule entreprise ne pourrait avoir que les deux tiers. C'est-à-dire c'est une façon, encore une fois, de faire mal à EDF. C'est-à-dire que même si EDF était le mieux disant, c'est-à-dire proposer les meilleures prestations, les meilleurs prix dans une vallée, eh ben, il ne pouvait avoir que les deux tiers. Ce qui est aberrant, même d'un point de vue capitaliste, d'un point de vue d'efficacité. Donc on voit bien que tout était fait encore pour affaiblir EDF, mais en même temps, comme ce dossier n'est jamais stratégique, eh ben, finalement, c'est ça qui fait, comme c'était dit par Christelle, que les barrages sont toujours en délai glissant et que la décision n'est pas prise. Et encore une fois, je l'ai un petit peu dit tout à l'heure, on le voit bien encore aujourd'hui, je trouve qu'il y a quand même un grand flou. Le nucléaire, on voit bien vers où on va, bon, même si ce n'est pas tout à fait clair, aussi clair que ça. Bon, le gouvernement sanctuarise, il continue de vouloir faire construire de nouveaux EPR, donc voilà ce qui peut poser question effectivement dans le contexte actuel. Et en même temps, les barrages, il y a une grande ambiguïté, c'est-à-dire que c'est extrêmement ambigu. Quand on dit que les barrages vont rester dans le domaine public, non, il va y avoir certainement un démantèlement, mais là, le gouvernement ne joue pas franc jeu. Voilà, donc quand on dit qu'il pourrait y avoir un référendum, effectivement, j'ai entendu Loïc Prud'homme, le député de la France Insoumise de Gironde, je crois, qui disait ça. En même temps, c'est un sujet qui fait consensus, mais est-ce que c'est un sujet qui aurait le poids médiatique suffisant? Je suis pas sûr. We'll be right back.